Bonjour Cyril Guéraud. Bonjour Julia. Alors nous sommes à la fin de cette deuxième journée au CES Las Vegas. On a pu voir des pavillons comme celui des transports, de la robotique, des jeux vidéo. Quelles sont les technologies qui vous ont marqué aujourd'hui ? Eh bien la première chose qui nous a marqué particulièrement aujourd'hui, c'est justement avant d'arriver sur les pavillons, on a été transporté dans un tunnel à la façon Boring Company, dans des Tesla autonomes, du coup dans un tunnel qui fait plus de quasiment 2 miles. Donc c'est assez impressionnant de se retrouver complètement en autonomie dans un véhicule de la marque Tesla, encore une fois, sans qu'on ait l'habitude de voir ce genre de choses. C'est assez étonnant. Alors elles n'étaient pas totalement autonomes, hein, il y avait quand même un chauffeur dans la voiture, mais le principe c'est bien ça, c'est de pouvoir faire circuler ces voitures dans ce tunnel qui est vraiment adapté à ce genre de voiture autonome. Exactement, donc ce qui est assez étonnant c'est qu'on a un conducteur qui nous emmène jusqu'à l'entrée du tunnel, il reste bien évidemment dans le véhicule et dès que le véhicule passe le début du tunnel, là il passe en autonomie complète et il nous emmène, donc le tunnel n'est pas droit, il y a des virages etc, c'est assez étonnant, on ne se rend pas vraiment compte effectivement qu'on est dans un véhicule autonome parce qu'on a toujours le chauffeur qui est là. Alors ce tunnel nous a mené au pavillon du transport hein, avec beaucoup de voitures électriques, de voitures autonomes et aussi marchands à l'hydrogène. Exactement, l'hydrogène c'est la nouvelle pierre angulaire on va dire des constructeurs automobiles. L'électricité est en phase de commercialisation, donc ça n'intéresse plus trop les équipes de recherche et développement. Maintenant, ce qui les intéresse, c'est l'hydrogène. Et du coup, on voit l'ensemble des véhicules maintenant qui peuvent être propulsés à l'hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, c'est un temps de recharge qui n'existe plus. On n'est plus comme sur un système électrique. En fait, on recharge une bonbonne d'hydrogène et l'autonomie est beaucoup plus grande. Donc, c'est effectivement le digne remplaçant ou le plus digne remplaçant du véhicule thermique. On a eu la présentation par Hyundai de la construction de la ville de demain complètement en autonomie par ces véhicules. Donc c'est assez prodigieux à voir. Alors vous parlez de Hyundai, ils étaient vraiment présents hein, dans ce pavillon de la mobilité. Il y avait aussi également des robots, il me semble. Exactement. Et d'ailleurs, ça nous fait repiquer un petit peu avec le tourisme, parce qu'on a été en présence de robots de service. Donc des robots de service, on a vu un robot qui préparait au shaker des cocktails, par exemple. On a vu un autre robot qui était capable d'aller chercher des articles directement, des articles achetés du coup pour le client directement dans des armoires et les présenter au client. Et des robots serveurs. Donc les robots serveurs, ce sont des plateaux qui roulent et qui vont de la cuisine jusqu'au bon client. Et cette technologie-là, on ne l'imagine plus en fait. On la voit directement devant nous et on se dit ça peut arriver aujourd'hui. C'est même pas une question de demain. C'est l'innovation qui est vraiment prête à être commercialisée, ça. Alors, on a vu aussi des robots un peu plus connus. Hein, je pense à Spot, c'est Spot, ça hein, exactement, le Spot, petit chien ouais. De Boston Dynamics. Enfin, ex-Boston Dynamics, puisque Boston Dynamics a été racheté par Hyundai, encore une fois, pour plus de 900 millions de dollars en 2020, me semble-t-il. Voilà, ça fait 760 millions d'euros, ça commence à faire pas mal. Ouais. Boston Dynamics, voilà, il y avait le robot Atlas, donc humanoïde, qu'on a vu sur celui beaucoup de vidéos. Celui qu'on va faire du sport, exactement, très celui qui fait des saltos, ouais. Etc. Uh-huh. Et le petit chien aussi, qu'on a vu du coup sur les chorégraphies ou même se promener, c'est assez impressionnant. Donc on imagine beaucoup de possibilités pour ces robots. Au-delà de l'activité militaire qu'on peut imaginer, effectivement, c'est aussi, il va falloir s'attendre à voir ce genre de véhicules, de robots naviguer autour de nous très prochainement. Alors pour compléter la partie mobilité, il y avait aussi une voiture qui a fait beaucoup parler d'elle justement cette année au CES. C'est la voiture de BMW oui. Qui peut changer de couleur, c'est ça ? Exactement. La carrosserie en fait est recouverte d'un film qui a la capacité de changer de couleur. Donc changer de couleur, on ne va pas faire du bleu au vert au rouge pour l'instant. C'est du blanc, noir et nuances de gris. Mais c'est assez impressionnant parce que les différents éléments du véhicule peuvent être changés indépendamment ou tous ensemble ou même être en mode dégradé. C'est un film donc, qui est positionné sur le véhicule. Donc de près, ça ne fait pas aussi joli que ce qu'on voit de loin, mais c'est une belle avancée et je trouve que le concept est intéressant. Ça peut, on peut imaginer demain, par exemple, de la publicité sur ces films qui recouvrent des bus, par exemple, et voilà, on a un nouveau support de pub, par exemple. Ça peut être assez intéressant.
Alors, mis à part la mobilité, quelles sont les technologies qui vous ont marqué aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on a vu des éléments complémentaires à la réalité virtuelle. Par éléments complémentaires, je veux dire des accessoires qui viennent compléter la panoplie. On avait été habitué aux casques de réalité virtuelle. Eh bien, maintenant, il y a des gilets qui vont nous retransmettre ce qui va se passer, par exemple, dans un jeu ou dans une visite virtuelle. On peut ressentir des coups, une caresse, un hug, un câlin. C'est assez impressionnant d'avoir ça, couplé en plus à des gants haptiques. Donc le principe des gants haptiques, c'est de nous faire ressentir un objet dans un environnement 3D qui est virtuel. Donc on a l'impression vraiment qu'on tient cet objet, donc on le voit sur notre casque et on sent l'objet dans sa main, c'est assez prodigieux. Et dans le tourisme, comment on pourrait utiliser ce genre de technologie ? On peut imaginer par exemple sur tout ce qui va être des visites virtuelles de sites extérieur. Maintenant, on pourrait, avec certains appareils, on a vu deux types d'appareils. On a vu un gilet qui était, lui, à base de vibrations, et un autre gilet qui est à base de capteurs électriques. Donc, ces capteurs électriques sont positionnés sur la peau, à même la peau, à travers un t-shirt. Et du coup, ils retransmettent une énergie électrique, comme celle qu'on peut avoir sur des systèmes, des systèmes médicaux aujourd'hui. Eh bien, ces petits systèmes-là qu'on a donc dans ce t-shirt vont nous envoyer des petites impulsions électriques beaucoup moins violentes que celles qu'on a chez le kiné. Voilà. Mais du coup, on peut reproduire, par exemple, la caresse du vent, ce genre de choses. Donc là, ça peut donner, encore une fois, une dimension supplémentaire à la réalité virtuelle. Quel a été votre coup de cœur aujourd'hui ? Alors, le coup de cœur, quelque chose de très, très étonnant. On parle beaucoup d'IA. Et on se dit, l'IA, elle va nous aider à converser avec un ordinateur, etc. Mais là, on a vu quelque chose d'assez assez génial sur l'IA. Imaginez-vous, vous êtes un grand chef, vous faites une recette qui est connue internationalement, seulement vous êtes à un seul endroit dans le monde. Eh bien, une IA aujourd'hui va analyser ce que vous êtes en train de faire et va être capable de le reproduire, ou simultanément, ou a posteriori, dans énormément de sites. D'accord. Du coup, les chefs qui ont travaillé sur ce système-là ont même validé le plat fait par l'IA ensuite. Donc, c'est assez génial. Donc, on parle d'une IA qui à la fois analyse la manière de faire du chef et reproduit ensuite à la perfection. Je crois qu'on ne voit pas vraiment la différence, en fait. C'est le principe. Voilà. Alors, nous avons pu découvrir aussi une technologie hors catégorie aujourd'hui. Oui. Quelle est-elle ? Eh bien, cette catégorie, ou ce produit plutôt, ce sont des nouveaux systèmes de sièges massants. En fait, on est positionné dans un siège massant avec énormément de capteurs tout autour de soi qui vont soit exercer de la pression, soit nous masser, soit tapoter un petit peu. Et on peut imaginer dans le tourisme ce genre de siège peut-être arriver dans les classes affaires de certaines compagnies aériennes pour aussi faciliter un petit peu ou nous détendre pendant les longues heures de voyage. Je crois que le poids pose un problème. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ces systèmes-là, comme ils n'ont pas été designés pour ça, chaque siège, donc hors la partie multimédia qu'on peut imaginer dans un avion qui pèse du poids, etc. Donc rien que le siège, là, pèse quasiment 200 kilos. Donc 200 kilos, si on a une dizaine ou une vingtaine de sièges en classe affaires, ça commence à faire un peu de poids. Voilà. Faut pas oublier qu'un avion, ça doit voler et tout ça. Voilà. Oui. Puis j'imagine carburant aussi, ça coûte plus cher. Plus c'est lourd, plus ça coûte cher. Voilà, exactement. Donc on peut imaginer, mais on a du mal à voir. Peut-être que ça peut s'adapter. Ouais. Voilà. D'accord. Ils n'y ont pas pensé. On en a pas mal discuté avec eux. Non, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Non, pas du tout. Voilà. Okay. Écoutez, merci beaucoup Cyril Guéraud. On se retrouve encore très bientôt pour le troisième jour, le dernier jour. CES Las Vegas. Exactement, puisque ça a été donc réduit malheureusement d'un jour cette année. D'un jour, voilà. Ce sera seulement 3 jours. Merci. Merci Julia.